Palavas Péniche. La France compte 68 millions d'habitants. Parmi eux, des parents, des amis, des voisins. Et tant d'autres que vous ne connaissez pas encore. Il était plus que temps de les rencontrer, non? Les vrais gens, c'est tout de suite et maintenant. Franck! Thierry! J'arrive! Ça fait plaisir! Ah ouais? Pareil! Je vous permets de vous serrer la main? Ouais! Bah écoutez, c'est un plaisir que vous soyez le premier invité des vrais gens. Bon, c'est normal? Non, c'est pas normal. En tout cas, moi je suis ravi que vous ayez accepté la proposition. Vous êtes venu comment? En bateau, c'est ça? Non, quand même pas. Non, je suis venu en voiture. J'ai pris la A11, okay. La N24. Ouais. Le GPS disait 6h40, mais comme je suis allé un peu vite, ouais. Du coup j'ai fait descendre à 6h30, mais j'ai fait une pause, hein, j'étais mort. Ouais, bah après, c'est important de prendre des pauses. Ouais, j'ai carburé. Hein. Ouais, non, mais oui. Ouais. Et t'as ton permis du coup, depuis combien de temps? Depuis mes 18 ans, le code et la conduite du premier coup. Tout le premier coup, ouais, bravo, direct. Bravo. Merci. Alors les spectateurs l'ont sans doute compris, mais toi dans la vie tu es... Électricien. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Toi, tu es pêcheur de crevettes. Exact. Pêcheur de crevettes. D'ailleurs, j'ai un truc pour toi. Mais non. Si. Oh, c'est pour moi? C'est des crevettes. Ah bah super, mes chiens, ils vont adorer. Ils mangent que de ça, donc c'est super. Merci beaucoup. Regardez. Et tu les as pêchés ce matin? Et non, bah du coup j'ai pas pu parce que j'ai dû poser ma journée pour venir à l'émission. Okay. Comme je conduisais ce matin. Du coup j'ai fait un détour par le carrefour de Nivillac. Ah. Mais il y avait une promo, donc c'est pas mes crevettes, mais ça valait le coup quoi, je les ai pas payées trop cher. Super. Bah s'il y a une promo, on pourra aller après l'émission retourner acheter d'autres crevettes, ça te dérange pas? Ok, avec c'est plaisir. Cool. Très très cool. Alors j'ai une question mon Franck. Une question, j'ai envie de savoir quelle est la journée type, quelle est ta journée type, toi, tu vois, j'ai envie de, le temps d'un instant, de me mettre à ta place, de me mettre dans la peau d'un pêcheur de crevettes, quoi. Journée type, 4h du mat, je me réveille, je dis à ma chérie, je me réveille, tu peux te rendormir. Après, je m'habille, ouais. Café, ouais. Je chie, et j'y vais. Ok, tu te brosses pas les dents, tu te laves pas? Non. Ça, j'aime bien ça, tu vois. Ça, c'est les vrais Français qui se lèvent trop tôt pour se laver les dents et se laver tout court, tu vois. Faut faire... Ils ont pas le temps de faire ça. Ouais, faut faire ses choix, faut choisir ses combats, en fait. Ouais. Moi, 5 heures, je... 5 heures, quand tu dis 5 heures, c'est 17 heures. Non, c'est 5 heures du matin. 5 heures du matin? 5 heures du matin. Oui. Tu veux du coup, ouais, qu'il pleuve ou qu'il vente 5 heures du matin tout le temps, quoi. Ah non, bah non, si la météo est trop mauvaise, que tu peux pas y aller, t'y vas pas. Non, 5 heures, on arrive, la journée commence vraiment en fait. Mmh. On monte sur le chalut. Ouais. On drague les fonds marins pendant 2-3 heures et puis au bout de ce temps-là, on monte les filets un peu pour voir ce qu'il y a dedans. Et t'es sur quel type de chalut toi? C'est chalut à perche. Donc ça filtre en fait, c'est que les poissons plats, les crevettes. Mmh. Ça ratisse à 1,67 cm et ça élimine 14% de la biomasse. Ok. Alors, je n'ai pas tout compris dans tout ce que tu as dit là. 14% de la biomasse? Ouais, par exemple. Ça veut dire qu'on détruit 14% des fonds marins. Waouh, c'est énorme! On peut faire mieux. Oh, on peut toujours faire mieux, tu vas me dire. Ouais, on peut faire mieux. Là, j'économise pour m'acheter une drague hydraulique. Ouais. Donc, ça me permettra de ratisser un peu plus en profondeur, environ à 16,6 cm, et de détruire 40% de la biomasse des fonds marins. 40%! Oh la vache, c'est énorme! Attends, c'est pas pour tout de suite, c'est plus horizon 2025 si j'ai mon crédit Cofidis. Ok. Voilà. On peut dire les marques de oui. Société de crédit? Ouais, il faut juste en citer trois, c'est tout. Alors, Cofinoga, ouais. CTLM, okay. Carrefour Bank. Ouais. Bon. Tu connais plein d'organismes de crédit, ouais. Du coup, ça me fait penser à une question. Les pêcheurs de crevettes sont tous endettés? Ouf! C'est un métier difficile. Ouais. Il y a toujours l'angoisse du filet vide. Mmh. Mais moi, je préfère être là qu'à l'usine. Ah, mais ça, c'est toi qui as raison. Là. Ouais. Ouais, moi, c'est tout pareil. Ouais. Il y a une image qui me vient là que j'utilise souvent. Ouais. C'est la mer, c'est un peu mon bureau. Hey, c'est pas mal. C'est joli comme tout. C'est très romantique, très. Le travail. Attends, répète.
La mer, ouais. C'est un peu mon bureau. La mer, c'est un peu mon bureau, ouais. Tu vois, bah, si la mer, c'est ton bureau, ça veut dire que, en fait, en télétravail, pour le télétravail, c'est sur la mer, quoi. En fait. Exactement. C'est ça. Voilà. Ouais, ouais. T'as déjà vu des requins, toi? Ouais. Ouais. Moi, j'en ai déjà vu au Planète Océan de Montpellier. C'est impressionnant, ces machins. Hein. Ah ouais. Bah oui. Là, nous... c'est... Ouais. Bah, les pêcheurs, nous, on connaît bien. On dit les requins, ça peut faire peur un peu. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est. Je me demandais, une femme dans chaque port, c'est juste une expression ou bah, c'est oui. Autre chose? Une flânerie, regarde. Ouais. Eden, mon fils. Hey. 8 mois hier. Ah, ok. Bah, bonne année. Bonne année, Eden. Tu nous regardes. Merci. Il est très mignon. Très, très mignon, j'aime beaucoup. Ah, ouais, ouais, ouais. Regarde. Super. Il a que 8 mois, c'est ça? Ouais, 8 mois et il va sur ses 9 mois là. Ouais, très mignon. Oh, ouais. Attends, c'était quoi la petite photo là? J'ai cru voir un joli petit lot, si je puis me permettre. T'es ma femme. C'est ça? Ah bah super, super. Ôte-moi d'un doute, elle fait du porno, non? Non. Non? Amateur. Elle fait du porno. Amateur. Ok. En fait, le métier de pêcheur, c'est un métier difficile. Ouais, ouais. Un enfant à charge, un bateau, un crédit. Parfois, pour finir le mois, on a 300 euros. Ah ouais. Bah, c'est tout à votre honneur, Franck, hein, de mener la vie que vous menez. Ouais. Ouais. Mon fils? Ouais, bah, oui, oui. Ok. T'as beaucoup de photos de ton fils, non? T'en as combien? J'en ai 15 000, 15 500. Et des photos à poil de ta meuf, t'en as combien? Pardon? Hein? Non, je disais... elle s'appelle comment, ta femme? Magali. Magali, ok. Non, juste pour... Il te reste pas une trois photos Ah, mais Franck, c'est entre nous. C'est entre nous. On peut enlever les caméras, ça te dérange. Coupe. Pour voir la suite de Les Vrais Gens, abonnez-vous à Palamas Péniche Premium. Coulisses, bonus, vous n'avez vu que 2% de Les Vrais Gens. Il vous reste 98% de Les Vrais Gens à regarder. Ne manquez pas une seconde de Les Vrais Gens, l'émission des Vrais Gens, pour Les Vrais Gens, par Les Vrais Gens. Franck, j'ai encore une question. Ouais, bien sûr. Quelle est la différence entre les crevettes roses et les crevettes grises? Thierry, je vais te répondre autant que tu veux sur les crevettes, mais est-ce que je peux profiter juste de la caméra pour faire passer un message d'abord? Oui, ouais, bien sûr, vas-y. Je peux, ça te dérange pas? Vas-y, vas-y. Magali, c'est pas prévu. Voilà, je voulais te faire ma demande aujourd'hui, profiter de la télé pour te demander est-ce que tu veux être ma femme? On voguera ensemble sur le crevettier de notre amour. On pêchera. Enfin, on va pêcher... On va pêcher, on va naviguer, on va pêcher, ouais, on va pêcher, ma coquine. Magali, veux-tu être ma femme? Magali, veux-tu être ma femme? Magali, ma petite crevette d'amour, veux-tu être ma femme? Magali, ma pêcheuse, veux-tu être ma femme? Magali, réponds-moi. Magali, je profite des vrais gens pour te le demander. Franck. Officiellement. Dans...